bonjour à tous mes snappeurs et snappeuses. Et merci. Bon, les snappeurs et snappeuses, j'ai besoin de votre conseil. Si vous préférez, il y a une personne qui me suit sur Snap. Et elle a ses deux parents, que Dieu lui préserve. Elle m'a dit que mes deux parents, ça fait plus de 2 ans qu'ils ont un coq et une poule naine. Mais le problème, c'est que ma maman, elle a une petite terrasse, elle m'a dit, avec son père. Mais le problème, c'est qu'au début, ils ont laissé lâcher dans la terrasse, mais ça s'est retrouvé que la poule et le coq se font de la caca de partout dans la terrasse. Et comme ils ne vous ont pas voulu s'en séparer, la fille m'a dit, ça me fait mal au cœur quand je vais chez ma mère. La poule et le coq, ça fait plus de 1 an que ma mère, elle leur a fabriqué avec mon père. Ils sont dans un aquarium. Il n'y a pas d'eau dans l'aquarium, mais ils vivent à travers un aquarium. Elle m'a dit, il s'ennuie, ça me fait mal au cœur. Et en suivant tes snaps, et en leur montrant au fur... Elle m'a dit, en suivant tes snaps, et j'ai montré à mes parents au fur et à mesure que les animaux, c'est comme ça qu'il faut qu'ils vivent. Qu'ils vivent en liberté, surtout la poule et le coq, il leur faut de la place. Et la maman, elle ne voulait pas, avec le papa, elle ne voulait pas s'en séparer, ce qui est tout à fait normal. Elle les aime, ça fait plus de 1 an qu'elle les a. Mais la fille, elle m'a dit, ça me fait... C'est mal au cœur que ma mère, elle les laisse comme ça. Et de fil à aiguille, à force que sa maman, elle regardait mes snaps, elle regardait mes snaps, elle a dit, la poule et le coq, je les donne qu'à une seule personne, s'ils les prennent, bien sûr, en parlant de moi. Mais le problème, c'est que moi, j'en ai des animaux. Et j'ai parlé à la fille, et j'ai dit de lui dire à sa mère que je peux les récupérer pour les donner à quelqu'un. Elle a dit non. Elle veut les voir tous les jours à travers les snaps, et elle veut les voir s'épanouir. C'est la seule personne à qui elle les donne, c'est à moi. Le seul remède pour que la poule et le coq soient bien, il faut que je les récupère. Que faire, mes snappeurs? Dites-moi, j'ai besoin de vous. Et je me suis dit, déjà que la mamie a fait un effort, elle a écouté sa fille, elle a envie de s'en débarrasser, enfin de les donner, parce qu'ils vivent dans un aquarium, mais ça se fait pas. Donc, j'ai décidé de les prendre. Voilà, donc j'irai les prendre tout à l'heure. Mais avant ça, je vais vite acheter 2-3 trucs. Des habits, bien sûr. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Et en tout cas, pour ça, et merci. Aïe, ça c'est... Mon frère. Aïe, mon ami, comment tu vas? Toujours là, nous, Steve. Je suis là, tout là, je suis venu vous voir. Steve, tranquille ou quoi? Tu es parti de Aix, tu es venu jusqu'à là, tu me. Attends, avant de prendre les habits. Ouais. La poule et le coq, tu vas les sauver ou pas? Heureusement, ils sont dans un intérêt. Ah, ils suivent. Prends ce que tu veux, la famille. En tout cas, pour ça, merci. Merci, frérot. Oh, il était à Aix, il est venu à Toulon, tu es venu à Toulon. Eh oui, frérot, ça y est. Ils sont là, les petits. Il y a tout. Toujours, hein? Il y a tout. Bon, toujours là. Attends, d'abord je vais essayer moi mes trucs et après. Ah, je vais en profiter, ne vous inquiétez pas, c'est le frérot. Restez branchés. Steve! Steve! C'est quoi? Il n'y a que chez toi où j'arrive, je te dis la vérité. Hein. J'arrive à trouver l'appart Kim tient chaud, pas encombrant et pas trop cher. Ça fait pour ça? Merci. Alors celle-là, j'ai quelques trucs à dire pour celle-là. Merci. C'est celle, tu souviens mon cadeau? Choisis, noir ou bleu. Si j'achète la noire, tu m'offres la bleue. Ah ouais. Ah ben je prends les deux. Et y a du cas pour ça. Eh ben. Oh frère. Ouais. Arrête. Tu es malin toi, hein. Toi tu es malin toi, hein. Non. On demande, frère. On demande maintenant. Ah ben on va faire, t'inquiète, on va leur faire. Y a des nouvelles ou pas? Bien sûr. Donc. Il y a des personnes, Steve, viens ici, arrête de te cacher. On est là. Oui, il y a des personnes justement qui savent que tu es là et ils ne savent pas que tu es parti de Aix à la base. Mais je sais, on est à Toulon maintenant, mais la famille, c'est pas grave, on fait la livraison dans toute la France. Voilà. Rapide. Attends. Alors, donc, je vous explique, pour toutes les personnes qui m'ont demandé ce survêt, je vous explique. Il est bien et bien là et il a reçu de toutes les couleurs. De un, le frérot, il s'est installé à Toulon. De deux, c'est pas un problème parce qu'il vous livre n'importe où dans toute la France en moins de 48 heures. Et de 3, il y aura un code promo, que ce soit pour un survêt, pour une parka, pour tout
l'équipement LS pour n'importe quel article dans le magasin, il y aura un code promo. Il y a même pour les bébés, ne vous inquiétez pas, Steen, il est là, il y a un truc pour ça. Et merci pour le message. Donc, non, c'est sérieux, mes snappeurs et snappeuses, magasin, top, il se situe à Toulon pour tous les Toulonnais. C'est simple, l'adresse elle est marquée, 12 rue d'Alger, tu viens, tu achètes Steen, et n'oubliez pas, livraison dans toute la France, donc toi qui habites en dehors de Toulon, tu peux acheter aussi les habits de chez Steen. Et n'oubliez pas les moins 15%, ce qui fait 15% offert. Juste un truc, secteur 15. Et merci la zone. Bon. Allez, après les achats, direction, je vais aller récupérer le coq et la poule. C'est obligé, c'est le cœur qui parle. Je peux pas les laisser comme ça. Mais le problème, c'est que le coq, un coq, ça chante à 4h du matin. Il va me réveiller et pas merci. Mais j'ai pas le choix. La fille m'a dit, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas chanté. C'est normal, il est dans l'aquarium. Demain, dès qu'il va voir le soleil qui va lui frapper à la tête, à mon avis, il va chanter. Mais bon, s'il chante, il sera bien alors. Mais bon, direction, je vais aller récupérer le coq. Suivez le snap de près. Eh merci, j'arrive. Bien là, comme il est beau le coq, la vérité. Regardez comme il est petit, il grandit pas. Et là, il y a sa poule, regardez comme elle est petite. Regardez les plumes, les pauvres sont cassées à cause du truc de l'aquarium. Regardez les plumes, comme ils sont pas bons, les pauvres. Pas de soleil, rien, c'est normal. Hein. Là, on leur a mis les graines et de l'eau. Ce soir, ils vont être dans ça. Comme il est beau. Alors, ça change hein, de l'aquarium? T'inquiète, demain tu vas voir le soleil, tu vas revoir le soleil. La pauvre, elle voit les plumes qu'elle a. Ouais, tu vois bien? Elle ne veut pas bouger. Ah, la pauvre. Tellement qu'elle ne marche pas beaucoup dans l'aquarium, elle n'y croit pas là. Mais oui, tu peux marcher. Et en tout cas, parce que vos autres, on y va les sauver. Eh, merci. Voilà, le couple. Bientôt les bébés.